Hein. Et salut, bonsoir, bonjour. Bienvenue à bord de la Kawasaki Z1000 version 2017. Température extérieure, bim, on va vous le dire, il n'y a pas. Alors oui, pour les gros puristes de Kawasaki, celle-ci, désolé, elle n'est pas verte. Elle est orange et je la trouve vraiment sympathique en orange. Alors déjà, on sent qu'il y a vraiment des watts sous la bécane. Juste à la sensibilité de la poignée, on sent qu'elle a envie. Hein. Ça fait 142 chevaux, 220 kg. Donc pour un roadster, 220 kg, c'est pas mal. Hein. Dans le sens, c'est pas mal, on est assez lourd quand même. Je voulais juste vérifier un truc, comme quoi vous allez voir que mes essais moto sont vraiment pas planifiés ou quoi que ce soit. Je vais juste vérifier si c'est pas la version R que j'ai. La version R, en fait, elle a des suspensions all-ins, etc., etc. Mais je pense pas avoir cette version-là. Non. La version all-ins, en fait, on a déjà ici un truc pour régler l'amortisseur. J'en profite pour faire l'amortisseur, il est vraiment horizontal. Il n'est pas en biais comme ça, il est horizontal. Alors le temps qu'on arrive un peu dans les virolos, je vous présente un peu le tableau de bord. Il est vraiment très petit, quoi. Regardez par rapport à ma main. Alors rapport engagé, kilomètre heure, la jauge à essence à droite. Les tours par minute pour le moteur sont à gauche. De 1 à 4000 et au-dessus de 4000 ça passe en haut. Je vous fais voir, voilà, ça fait un petit design sympa, moi j'aime bien. Puis après bon, les clignotants, voilà où il s'allume, le plein phare, le neutre, voilà, vous l'avez vu clignoter. Et niveau des informations, du coup on a le kilométrage de la moto, le trip A, le trip B, la consommation en instantané toujours en kilomètres par litre. J'ai toujours pas demandé comment on passait l'affichage au litre au 100. On a la conso en moyenne, on a quoi, le nombre de kilomètres qui doit nous rester, 183 km, température moteur, l'heure, et voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors au niveau des suspensions là, je sens déjà que c'est assez raide. Donc qui dit assez raide dit que dans les virages ça bouge pas trop, enfin ça secoue, mais au moins la moto reste sur sa ligne. Fourche avant et arrière, on peut tout régler. Ça tire, hein, les 142 chevaux, on les sent vraiment. Par contre, je trouve que c'est assez linéaire, ça tire, mais voilà, ça fait pas vraiment un coup de pied. On est emporté, mais de façon linéaire. Ça reste aussi mon avis. Hein. Certains vont dire, putain, c'est la folie, ça tracte à mort. Après, voilà, hein, c'est 140 chevaux. Je suis loin des 200 que j'ai pu essayer, donc c'est peut-être pour ça que finalement, ça me fait plus grand-chose, une telle puissance. Bon, vous l'avez entendu, là, sur mon intonation de voix, toutes les déformations de la route, je les ressens. Putain, en 5, ça repart, un truc de fou. Alors, sur cette moto, on a quand même l'ABS, parce que maintenant c'est obligatoire. Pas de traction control. On n'a aucune aide à la conduite à part l'ABS. Donc là c'est une moto, je dirais une moto d'homme, parce qu'il n'y a que le pilote qui pourra faire de ce qu'il veut faire de la bécane. C'est un peu dommage aussi, on n'a pas de shifter. Je dis que c'est dommage parce que je ressors d'une journée complète avec un essai de la MT-09 Roadster 2017 qui est avec un shifter d'origine. Et forcément, de reprendre une moto à un Roadster sans ça, c'est un peu bizarre. Enfin, en tout cas, ça se comporte très bien. Hein.
Putain, le soleil, j'espère que ça va pas niquer la vidéo pour le coup. Des fois on râle parce qu'on n'en a pas, mais là, vu qu'on est en coucher de soleil, il est assez bas. Comme ça repart bien. Alors pour le prix de ce petit bijou, on est en dessous des 13 000 euros, 12 700 euros si je me trompe pas. Ah, je vous fais profiter de belles vues en même temps. Beaujolais en coucher de soleil, franchement c'est magnifique. Heureusement que j'ai la visière Iridium. Ok, l'ABS sur le frein arrière se déclenche assez rapidement. Putain, mais par contre, ça reprend grave en 3. Hein. On n'a pas besoin de péter un rapport. Hein. Concernant le design, on reste sur un design proprement dit du Z. Hein. Un design assez futuriste, la tête de fourche. On dirait vraiment un petit cyber, un petit robot. Tout ça éclairé avec des phares à LED. Je trouve vraiment la bécane sympa sur le côté design. Ça ressemble clairement à la MT-09 Roadster 2017. Après, le prix n'est plus le même. Le 09 Roadster, il est à moins de 9 000. Et là, on est à 12 700. Putain, il manquerait plus que je me casse la gueule. Bon, ça va, 220 kg à déplacer même comme ça, c'est easy. Hein. La masse est vachement bien répartie. Du coup, je fais mon intro à côté d'un cimetière. C'est pas trop glorieux, mais voilà, pourquoi pas. Regarde, je vais me mettre là. Ça va être super joli. Allez. Ouais, c'est fun ici. Allez, j'ai fini. Le soleil se couche. Ça doit vous tuer les yeux, parce que moi, ça me les tue aussi. Bon, c'était sympa. J'ai fait un petit live Instagram pendant le tournage, là je leur ai fait voir 2-3 trucs aux abonnés qui étaient là. Un petit live Insta, donc n'hésitez pas à me rejoindre, parce que vous avez en direct ce que j'essaye. Mais au final, après le montage, je le fais pas tout de suite. Là on est le 25 juin je crois, donc il se peut que vous ayez le montage bien plus tard. C'est reparti. Bon, je vous ai pas trop filmé le garde-boue à l'avant, puisqu'il y a une petite histoire, c'est que il est en mauvais état. On va pouvoir le voir, attends. On voit la roue et on voit que c'est cassé là. Donc bon, pour l'esthétique de la vidéo, j'ai pas trop filmé cet endroit. Mais pour la petite histoire, c'est suite à un essai, c'est un camion qui a fait une petite marche arrière dans la moto. Et voilà quoi. Voilà, vous savez tout sur la moto. Bon, au niveau du duo, comme vous avez pu le voir, hein, sur la selle, il n'y a pas beaucoup de place. Après, je peux pas vraiment donner un avis, un réel avis. Le meilleur avis, ça serait que Florian monte avec moi. Mais je pense qu'on va en refaire des petits essais en duo là. Ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent une moto duo. Donc je pense que je vais refaire ça. Ouh, en tout cas, ça donne bien envie de reprendre un roadster sportif pour soi-même. Mais bon, je sais qu'il faut pas. Il faut pas, c'est mal. Ça m'intéresse ça en commentaire. Dites-moi si vous préférez que je fasse le circuit que je fais d'habitude. Ou si vous voulez que je varie selon les motos. Bah que je varie le coin où je vais faire l'essai, parce qu'il y a le coin où j'ai toujours fait mes essais. Et là, de temps en temps, j'essaie de changer un petit peu pour varier un peu les paysages. Parce qu'après, ça n'a plus trop d'intérêt pour vous de regarder les vidéos. Le paysage est toujours le même et je trouve ça un peu dommage. Ah, elle est sacrément énervée comme bécane. Hein. Voilà, je passe pas mes vitesses avec un shifter, je les passe à la volée. La moto réagit bien là-dessus, donc autant en profiter. Ah, l'oiseau! Oh, il a eu peur, l'oiseau! Là, pour ceux qui se souviennent, c'est là où j'ai tourné l'intro de la R1. Vous voyez, je varie un peu les plaisirs. Voilà. Allez, ça dégage. Ça dégage. Bon, clairement, la moto, elle est pas à mettre entre les mains de tout le monde.
Donc heureusement que le permis A2 est là pour cadrer tout ça. Il y a un truc au niveau des rétros, là ça me botte pas des masses. C'est qu'en fait moi j'ai l'habitude de régler mes rétros comme ça. Et là c'est le miroir qui bouge dans le rétro. Ouais, c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Parce que c'est toujours assez compliqué à le régler. Il faut le régler avec son pouce, avec le doigté du pouce. C'est pas top, quoi. Moi j'aime pas trop. Attention aussi à ceux qui veulent se procurer un Z, que ça soit un Z1000 ou n'importe quel Z, hein, même les Z qui sont plus actuellement commercialisés dans les concesses. Renseignez-vous bien sur le prix de l'assurance annuelle. Parce que les Z font partie des motos les plus volées. Et forcément au niveau des assurances, ben, ça fait partie des motos les plus chères. J'aime bien comme c'est nerveux, quoi. Bon, à mon goût, à ce prix-là, quand même, ils auraient pu mettre un shifter de série. J'espère qu'un jour, ça va se démocratiser dans la moto. Et que ça commencera à être de série un peu de partout. Bon, désolé, il y a un petit impact sur la GoPro, là. Vous avez dû avoir un espèce de petit flou pendant un moment. Et voilà, j'arrive à la fin de ce test. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs déclinaisons sur cette moto. Il y a une version R qui est 2000 € plus chère à peu près. Donc on est au-dessus des 14 000 €. Et sur celle-ci, on a de l'amortisseur Ohlins par exemple. On a également du frein Brembo. C'est ce qui justifie le prix à la hausse. Allez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour des prochaines balades, des prochaines rencontres. Salut Spring Bike. Allez, au revoir. Ah, je vous quitte toujours, hein, sur ce rond-point là. Le rond-point des conscrits.